Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Inch'Allah, je partage avec vous aujourd'hui, Inch'Allah, comme je vous dis, c'est la sourate, c'est le secret de la sourate Masad, Inch'Allah. Cette sourate, tu vas trouver les sourates dans les 111 sourates du Saint-Coran. Saint-Coran, Inch'Allah, les sourates Masad, le mot Masad signifie le signifie le fibreuse ou c'est quoi, bon c'est fibreuse qui en français, si je m'exprime bien. Donc la sourate Masad, donc c'est tout, bon, a plein de secrets, voilà a beaucoup de secrets, Inch'Allah. Les points mystiques de cette sourate, si tu vas calculer, tu vas trouver ces 5431 fois 5731. Elle serait composée de 5 versets, non, de 22 mots et 81 lettres. Donc, si vous calculez 81 plus 22 plus 5 lettres, là, c'est plus 5 versets. Donc, tu vas trouver que c'est combien là? Tu vas trouver que c'est 108, pardon. Ben, si je m'explique, bon, je crois, hein, c'est 108. Oui, 81, 22 et 5. 81 c'est les lettres, 22 c'est le mot, les 5 c'est le verset. Donc ça va te donner de 108. 108 c'est le point mystique de Hok, c'est ce qui signifie le vrai, c'est ça. Donc chaque verset de cette sourate, comme je vous dis, est rempli de secrets vraiment. Donc Inch'Allah, on va parler de pour le blocage, Inch'Allah. Donc aujourd'hui on peut parler pour le blocage et pour débarrasser les choses, les mauvaises choses sur vous. Donc Inch'Allah, celui qui se sent bloqué, avant de commencer l'explication, si c'est la première fois que tu as découvert notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Comme je vous dis, si vous sentez vraiment bloqué dans votre vie ou dans votre activité, prenez, écrivez ces sourates. Inch'Allah, tout ne marche pas. Tu as tout utilisé et tu n'as aucun résultat. Écrivez ces sourates 99 fois. Quand tu as écrivé ces sourates 99 fois, et cherchez ensuite cette caillou. Voilà, les cailloux comme les cailloux que vous rentrez dans vos écrans. Voilà, c'est cette qualité des cailloux que vous allez chercher. Vous cherchez cette caillou et cette ameçon. Voilà, ameçon ou Amazon ou c'est Amazon, je ne sais pas, bon, je ne m'explique pas bien en français là. Ce que vous avez vu dans vos écrans là, c'est ça. Voilà. Vous cherchez aussi, ensuite, vous cherchez cette boule. Vous cherchez cette boule de Jaffa. Bon, c'est le cet arbre là qu'on appelle ça comme ça. Je ne sais pas, bon, si c'est en français, c'est comme ça, si vous avez reconnu ça. Donc là, vous cherchez aussi encore cette pièce, cette braise de brush de feu. Voilà, cette brush de feu, mais comme celle qui est déjà toujours allumée, comme je vous dis, cette brush là, vous versez ça, vous tout ça, vous remplissez ça, vous rassemblez ça, vous mettez dans le feu et dans l'eau que vous avez écrit, pardon, dans l'eau que vous avez écrit le sourate Masad 99. Voilà, donc quand tu as fini d'écrire 99, tu recueilles d'autres, bon, tu gardes ça, tu cherches toutes choses que je t'avais cité, comme vous avez vu dans vos écrans, toutes les choses là, vous rassemblez ça, vous mettez ça dans l'eau là, vous fermez ça. Vous laissez ça, ça repose 3 jours. Après 3 jours, vous prenez ça, vous commencez à laver pendant 9 jours. Tu vas faire le bain pour 9 jours. Tu vas te laver avec pour 9 jours. Bon, après 9 jours, avant 9 jours là, les trois premiers jours, la personne saura ce qu'il est en train d'utiliser une benne, Inch'Allah. Tu seras désenvoûté total et débloqué, Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous dis. Tu seras libéré de toutes les mauvaises choses, Inch'Allah. Donc, je vais vous ajouter encore un peu. Celui qui se sent menacé dans un endroit où celui qui fait fréquentement de mauvais rêves, donc de mauvais rêves, vraiment, utilisez ces recettes, utilisez ces versets, ces sourates-là, utilisez ces sourates, les sourates Masad-là,
Tu prends ton chapelet avant à tu fais tes ablutions, tu viens rester dans la nuit là, avant d'aller au lit. Avant d'aller au lit, fais les zikr de ces sourates 313 fois. 313 fois la nuit, avant d'aller au lit. Avant d'aller au lit là, tu fais ça 313 fois. Inch'Allah, toute personne, complot, fait sur cette personne, sera vous à l'échec, Inch'Allah. La personne sera à l'échec de ce qu'il a fait, complot sur vous. Tout ce que la personne a, tout ce que le monde a fait, le complot sur vous là, Inch'Allah, ça sera à l'échec. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, Inch'Allah, à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.